Deux plaques de pro. Je suis contre Uber, il me vole mon boulot. Donc je ne comprends pas pourquoi le gouvernement veut approuver le statutaire d'Uber. Il ne faut pas légaliser, il faut l'interdire dans toute l'Europe et dans le monde entier. À cause de ça, tous les taximans sont en perte totale. On est plus ou moins 50% de moins dans nos chiffres d'affaires. Voilà. De manière générale, ça permet en fait peut-être d'améliorer le service des deux côtés. Vous me donnez un avis dans le plan taxi tel que pensé par le gouvernement bruxellois. Donc, on envisage pour les taxis une politique tarifaire simplifiée. À partir de janvier, le client pourra payer avec sa carte de crédit. On va mettre en place une application smartphone. On va permettre aux taxis d'emprunter l'ensemble des sites propres réservés aux bus. On va permettre à des chauffeurs qui ont roulé 3 ans sans plainte et sans PV, ils pourront afficher un certificat d'excellence. Et puis on va, le taximètre digital va être installé aux frais de la région dans tous les taxis d'ici janvier 2016. Avec toutes ces mesures-là, ce sont des grognons, ils râlent à tort? Non, c'est-à-dire que, oui, je pense qu'au lieu de râler, on aurait dû mettre ça en place depuis bien longtemps. S'il n'y avait pas eu le déferlement d'Uber, tout ça n'aurait jamais vu le jour. Donc je dis que l'arrivée d'Uber a permis de faire bouger les choses. Donc tant mieux. Et ici, en fait, ça remet en question en fait, le métier traditionnel de taxi, et ça a fait bouger les choses. Je veux dire, si Uber n'était pas arrivé, ben, on aurait été dans la même situation dans 2 ans, les taxis auraient toujours eu une situation de monopole sans se mettre en question. Ici, l'arrivée d'Uber, ben, ça bouscule un petit peu les choses, donc moi je dis merci Uber, puisque ça va monter la qualité des deux côtés. Ah ben, je jette un œil sur le standard pour voir si les taximens sont disponibles ce matin. Forcément, il y en a beaucoup à la manifestation à Bruxelles, entre la gare du Nord et le centre-ville. Mais si vous êtes chauffeur de taxi, dans d'autres villes, les Namurois, les Liégeois, Uber, ça concerne l'ensemble du territoire. C'est pas juste une initiative bruxelloise. Nous allons à Saint-Gilles. Pascal, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. La dernière fois que vous avez utilisé Uber, c'était quand? C'était au mois de février. Où ça? C'était pour me rendre de Saint-Gilles à XL, voilà, parce que ma voiture était immobilisée. Vous vous souvenez du prix plus ou moins? Oui, je crois que j'ai payé 9 euros, 1,55. Vous vous souvenez du profil du conducteur? Oui, un profil jeune, mais tout à fait aimable, parfaitement professionnel. J'ai vraiment rien à dire, contrairement à la dame qui a dit que le service était laissé à désirer. Moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là. Donc, c'était son activité, il faisait que ça, le gars? Il était étudiant.
Et il faisait ça en plus de ses études. En plus de ses études, il avait 26 ans, et c'était quelqu'un de tout à fait aimable. Je voulais juste rajouter quelque chose que moi, il me semble vraiment important, c'est que dans des villes comme Barcelone, on lève le bras, il y a trois taxis qui s'arrêtent. À Bruxelles, c'est l'enfer pour avoir un taxi quand on... Si, imaginons qu'on n'a pas de téléphone ou quoi, les taxis ne circulent pas de façon aussi rapide et fluide. Donc si les taxis s'organisent, vous êtes prêt à renoncer à Uber? Renoncer, non, je pense que comme je suis à 100% d'accord avec ce que l'auditeur précédent a dit, c'est-à-dire que Uber permet de mettre un peu en concurrence les taxis, mais aussi justement au niveau de ces prix qui sont complètement excessifs à Bruxelles, c'est important que je voudrais dire que quand il y a des périodes de festivité, que ce soit la Noël, etc., il y a beaucoup de troubles de police, beaucoup d'actions, beaucoup d'accidents probablement. Je pense que Uber sauve beaucoup de vies en donnant des prix plus démocratiques, ce qui permet aux gens de moins hésiter à prendre le taxi plutôt que leur voiture, et c'est une chose importante. Ah, vous pensez que Uber amène des gens en taxi? Parce que certains disent que Uber, ça amène des gens à Uber, point. Non, je dis que le fait d'avoir Uber en plus des taxis, et en plus que ce soit démocratique, ça permet de sauver des vies, d'éviter des accidents quand les gens boivent trop d'alcool. Donc je pense que c'est très important de le signaler aussi. Uber, je suis désolé, sauve des vies aussi. Mais tu uses des taxis? Non, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense c'est un taxi low cost précédent. Uber, c'est un taxi low cost? Voilà, c'est un taxi low cost. Et si le service est bien, moi je n'ai rien contre. La concurrence, effectivement, elle est difficile, mais je pense que c'est dans tous les domaines. Il y a plein de domaines où avant il fallait un accès à la profession, maintenant ils n'en font plus. Bon, voilà, on peut en discuter pendant des heures. Ah bah moi, je pose cette question, mais je vous dispense de la réponse, Pascal. Quelle est la différence entre un taxi et un taxi low cost? Puisque vous me dites que Uber, c'est du taxi low cost. Quelle est la différence entre les deux donc? Plusieurs centaines de taxis se sont donc rassemblés ce matin dans le centre de Bruxelles. Une manifestation organisée contre le plan taxi élaboré par le ministre bruxellois du Transport. Un plan qui crée un cadre légal à leurs concurrents directs et déloyal à leurs yeux, le fameux système de voiture partagée Uber. Sébastien Rosenfeld avec Xavier Jarre. Comme Youssef, chauffeur de taxi bruxellois depuis 12 ans, la mobilisation de la profession est totale. En cause, la concurrence déloyale de la firme américaine Uber, un service de mobilité pour particuliers. On fait nos recettes, on fait nos caisses, c'est vraiment lamentable. Il y en a plein qui veulent changer de métier maintenant avec Alexis. Nous tous les indépendants vont à la carte. Plus de 1000 taxis, soit 80% des véhicules labellisés à Bruxelles sont dans les rues. Cet exploitant indépendant rappelle le montant de ses crédits. Un taxi, il commence déjà par 3 000 euros de frais par mois. Donc 3 000 euros de frais par mois, donc ça fait plus ou moins 100 euros par jour. Donc moi,
mois que je dois gagner 1000 euros net par mois, je dois faire 3000 euros, je dois faire 4000 euros de recettes. Les taximètres de la capitale condamnent le nouveau plan du secteur annoncé par le ministre des Transports bruxellois Pascal Schmeck. Celui-ci crée selon eux un cadre légal à la firme américaine Uber. Son application mobile permet à n'importe qui de devenir chauffeur sans les exigences de la réglementation actuelle, paiement des assurances d'État, permis de conduire en ordre et certificat de bonne mienne. Tu ne retiens pas le temps bruxellois, tu continues à chauffer Uber, tu continues à organiser un truc social sauvage, eh bien effectivement, on sera dans la vie, on en a vu tous les jours, on va vers ça. Les chauffeurs de taxi en front commun syndical sont prêts à tout pour éviter que leur métier disparaisse. Et sur place dans le quartier européen à Bruxelles, on vous retrouve en direct. Sébastien, bonjour. Où en est cette manifestation des taxis à l'heure qu'il est? Comme vous le voyez, Luc, et bien les chauffeurs de taxi bruxellois sont derniers mois au point Schumann, tout le quartier européen est entièrement bloqué, notamment aux alentours de la rue des Gares. Le trafic est donc forcément perturbé ici. Cela va durer encore quelques temps, tout simplement parce qu'à 14h, une délégation des chauffeurs bruxellois doit rencontrer le ministre-président Olivier Orban. Ils devront ensuite revenir ici discuter avec les chauffeurs bruxellois et rendre compte de leur discussion avec le ministre bruxellois Rudy Verbeek. Donc ça risque de prendre encore un certain temps et le quartier bruxellois risque d'être européen, risque d'être bloqué pendant une grande partie de cet après-midi. Non, et dans la manifestation, Sébastien, il y avait aussi de nombreux chauffeurs français aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard qu'il y avait des chauffeurs français aux côtés des chauffeurs belges, tout simplement parce que la question ici est européenne, car l'entrée et l'autorisation du beurre à Bruxelles serait une première en Europe. Jusqu'ici, aucun pays n'a accepté de laisser entrer la firme américaine sans des contraintes très précises. Si cela devait se faire ici dans la capitale, eh bien ce serait un précédent et donc il y aurait de fortes inquiétudes pour les autres chauffeurs de taxi, notamment en France. Voilà pour cette manifestation. Merci à vous.